Bonjour et bienvenue à la question métier à CRFRH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Edmond Vautour de Nouveau-Brunswick. Bonjour Edmond, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Dan. Ça fait que, bonne journée. Belle journée chez vous? Ouais, belle journée de tempête. Pas ici. C'est nuageux, mais il fait un peu plus chaud. Là. La neige Ouais, commence ouais. à disparaître. Oui. Écoute, on va se parler un peu de l'histoire chez vous, là, puis ce qui s'est passé depuis de 1970. Là, puis, explique-nous ça, puis comment que ça a commencé toute cette affaire-là. Là. OK. Moi, j'ai le fils à Jackie Vautour. Je vais vous raconter l'histoire un peu du début, quand le parc de Kouchibouguac a commencé, le parc national de Kouchibouguac. Il y a eu une expropriation en 1969. Ça a été créé par le gouvernement de Louis Robichaud. Puis au fédéral, c'était M. Trudeau, Pierre-Elliott Trudeau. Okay? Quand ils ont exproprié les terres à Kouchibouguac, c'était du monde qui n'avait pas beaucoup d'éducation. C'était des pêcheurs, des bûcherons. Ils vivaient de la même manière, pas mal comme les autochtones. C'est, ils faisaient de la pêche aux anguilles, la chasse, cultivaient la terre. Les mêmes conditions, pas mal. Et quand les agents du gouvernement ont venu voir ces familles-là, puis qu'ils allaient exproprier les terres, les autres, ils ne comprenaient pas la valeur de quoi ce qu'ils parlaient, la valeur de leur terre. Ils pensaient que ça n'allait pas arriver. Et avec les années, ben, ils allaient voir le monde, ils faisaient une offre, puis ils disaient aux familles, si vous ne prenez pas cette offre-là, vous allez avoir moins. Les autres, ben, quand ils voyaient l'agent du gouvernement de ces années-là avec une cravate au cou, ben, c'est quasiment comme un prêtre. T'sais? En tout cas, aussi, le gouvernement Louis Robichaud, l'argent qu'il y a eu du fédéral et l'argent qu'ils ont mis dedans pour exproprier les terres, lui a décidé qu'il donnait seulement la moitié des argent aux expropriés. Ça fait là la valeur des propriétés, tout a baissé, tout a descendu. L'autre moitié d'argent, lui, ça a été, on ne sait pas. On a des doutes. Ça fait là, ça a causé des manifestations avec des années. Ça a eu très, très hostile. Hostile, oui. Oui, Bosnil, beaucoup de manifestations. Il y a du monde qui s'est fait mal. Puis là, le monde a eu peur. Puis il y en a qui ont accepté les offres du gouvernement. Mm-hmm. Il y en a même qui ont eu jusqu'à une pièce à pont pour les terres. T'sais? Ils ont sorti de là avec. Ils n'ont même pas le moyen de se bâtir des maisons. C'est 5 000, 6 000 piastres. T'sais? Ça fait que là, c'est là que mon père a embarqué dans la cause. Puis. Il voulait faire quelque chose pour ces familles-là, parce qu'il voyait que c'était un vol qui se passait. Et il a baqué dans un bureau qui s'appelle le bureau de Crase dans le temps. Puis il travaillait pour les familles, il rencontrait les agents du gouvernement et il mettait des programmes en marche pour ces familles-là. Et les offres ont monté un petit peu, mais pas beaucoup pareil. Là, ça fait à cause d'autres manifestations. Il y a du monde qui était à la prison, il y a du monde qui était à l'hôpital. Et finalement, le monde a décidé de sortir de peur. On a sorti de peur. Mais nous autres, on n'a pas sorti. Mais on a subi la conséquence par après. En 1976, ils ont eu nous. Je me rappelle, j'avais 15 ans. Ouais. Les agents du gouvernement, la police, a rentré dans la cour, puis je me préparais pour aller à l'école. Puis on dit à ma mère, vous avez 15 minutes pour sortir. Ma mère a dit, je ne peux pas passer dans les 15 minutes, je ne peux pas. Elle a dit, je vais appeler mon mari, parce qu'il était parti travailler à Chouteau. Ça fait quand qu'elle a été pour appeler son mari, mon père, il a mis à couper le ligne de téléphone. Elle ne pouvait pas l'appeler.
Ça fait nous autres, on était quatre garçons, cinq filles, ça résistait un peu. Puis il y a un des polices, il dit, regarde, je vais aller voir votre père, puis il va venir vous voir. C'est ça qu'il a fait. Il va voir mon père, je vois tout, qui est 20 minutes de là, 25 minutes. Là, quand mon père est arrivé, puis il a tout vu les agents, la police dans la cour, puis qu'est-ce qui se passait, il y avait eu une éviction pour nous sortir de là. Ça va, la chicane a pris un peu, qui est normal, parce qu'on était tous intense, avec toute la peur, tout. Ça fait, ils ont mis moi et mes frères en menottes, puis mes soeurs, ils l'ont emmené en quelque part, puis ils l'ont emmené à la prison. Durant le temps qu'on était à la prison, mon père a dit, mais qu'on sorte, on s'en va, on s'en est droit à la maison. Mais il y a eu un coup de téléphone à la prison, puis il y a eu un crash à la maison. On s'est sorti nos biens, puis la maison a été écrasée. Ça a été dur, ça a été vraiment dur, surtout nous autres. De là, de la prison, ils nous ont emmenés dans le motel à Jvoktou. Puis on dit, les polices ont dit, ça c'est votre chez vous. On avait cinq ou six chambres de motel. Là, quand on a resté là-dedans pour 6 mois de temps, là, le propriétaire, il n'y a plus personne qui payait. Nous, on n'en payait pas, mais le gouvernement a décidé de ne plus le payer. Puis on sortait. Puis on n'avait plus de place à aller. On n'avait plus de chez nous. Avec mon père, non, je ne bouge pas. Jamais chez nous que tu as payé, puis je ne paierai pas pour 5 chambres de motel. Fait qu'un beau matin, à 6 h du matin, on était tous couchés dans le mat. Puis moi, ça m'a réveillé. Je voyais toutes les lumières de police, ça flashait dans la grosse vitrine de motel. Puis on était moi et mon frère tout seul dans ces chambres-là. On avait chacun une blonde, on était jeunes, on avait chacun une blonde, ils étaient avec nous autres. Et les autres ont eu peur de leur mort. Ils s'en sont cachés dans la chambre de ma mère, mais en bas de la porte, jusqu'à temps que tout était fini. Puis moi, quand j'ai regardé dehors, la première personne que j'ai vue qui a mis en premier, c'était mon père. Ils ont passé à travers la porte, coup de hache. Ils ont sorti celui dans le lit. Ils ont mis des menottes. Ils ont mis des menottes aux pieds, puis une chaîne à travers. Ils l'ont traîné dehors de même, puis ils l'ont emmené. Et nous autres, on était comme, ah, on a perdu la carte. On voyait quoi ce qui se passe à mon père. On s'est barricadé dans la chambre, on a mis les lits et tout devant lui. Puis, on avait deux autres frères dans notre chambre et d'autres. Là, il est arrivé à la chambre à ma mère. Ben, c'était la même chambre que mon père. Puis là, il a pogné ma petite soeur. C'est juste bébé. Il m'a tiré la main de neige. Oh. C'était triste de voir ça. Là, il m'est arrivé à ma porte, je me rappelle, avec des haches et tout, puis des gros shields, des bâtons. J'avais juste 15 ans, mon autre frère avait 16. Finalement, ils ont rentré dans la porte, puis ils ont sorti sur le dos. Moi et ma grand-mère, il y avait trois polices sur moi. L'un qui avait son genou sur le cou, l'autre sur mes côtes, l'autre sur mes jambes. Là, ils ont mis les menottes. Quand est-ce qu'il finit de mettre les menottes, lui qui avait son genou sur mon cou, il s'est levé, puis ça a lâché à des niveaux sur mon cou. Là, après, il m'a donné un coup de pied dans la face. Ben, quand j'arrivais au poste de police, ils m'ont tiré dans la même cellule avec mon père et les autres. Moi, j'avais toute la face noire ici. Puis, on se demandait c'était quoi, mais on a réalisé que c'était le coup de pied de police parce que les autres, ils chaînent toujours les souliers. Fait qu'elle a laissé son empreinte. Ça fait ça. De là, on était comme séparés de la famille. On était à la prison, on est sortis de là. On était en cours, mon père a gagné. Il y avait des charges, nous autres, que si on part dedans, on aurait pu pogner jusqu'à 10 ans de prison. À cause de la battue des polices. Mais on a gagné, mon père a gagné. Puis, on s'en était de là, on s'en était à un lac, au bout de Fredericton. Puis, ma mère, puis mes soeurs, ils m'ont resté sur les parents, puis des amis. Puis moi, j'étais avec mon père, puis mes frères. On a resté toute l'été à un lac. On avait une grosse tente.
On s'est mis en forme, on joguait, on boxait, on levait des haltères, on se mettait en forme. Puis, une bonne journée, quand ça arrive plus tard, à la fin de l'été, mon père dit, on s'en va de Nouveau-Sétaire. Ça fait en 1978, on a barqué Nouveau-Sétaire. Un coup, Sétaire, mais la première journée qu'on a barqué les tentes, les parcs Canada arrivés, puis, bon. Pas droit d'aller ici. Quand il a monté ce qu'était le chemin, puis il n'y a plus le chemin. Puis, depuis ce temps-là, on est toujours là. Ils n'ont jamais, jamais pu nous enlever de nouveau. C'est rare. Puis, c'était quoi le but? Le parc, il voulait avoir le parc, mais pourquoi exactement qu'il voulait avoir le parc sur cette place-là? Il aurait pu bâtir un parc à nos places, tu sais. Ben, il voulait un parc, à commencement, il dit que c'était un parc pour la conservation. Puis, le parc a 99 000 carrés. C'est grand. Puis, c'est tout un en conservation. Puis, un petit coin, un relou pour les touristes. OK? C'était juste un petit coin, puis le reste des terres, il n'y a rien, rien, rien du tout qui est là. Puis, on sortit du monde. Ou la conservation. Votre terre, à vous autres, était combien grand? Nous, on avait 125 acres de terre. Plus mon père, il y avait une autre terre. Je pense 60 acres ailleurs, là-dedans. Un autre morceau de terre. C'était tout le bon, tout le long de l'eau, hein, du côté de l'eau. Ouais. C'était super belle place. Ouais. Puis là, ça a continué. Ton père, il a continué à se débattre. Contre la cour? Oui, il a continué à pousser les choses en cours. Mais ça traîne une cour, ça traîne. Des années passent, des années passent, puis des ajournements. Puis là, tu arrives à une cour comme la cour d'appel du Nouveau-Brunswick. Ça arrive là, ça prend du temps pour arriver là. Puis il refuse d'attendre la cause. La cause est remise à la Cour suprême du Canada. Ça t'est refusé là aussi. Oui. Ça, c'est des années 80. Il y en a carrément que. Malgré qu'on s'est rendu là de nouveau, puis c'est la même chose arrivée. Ben là, c'est possible, c'est plus avec l'affaire Métis qu'on s'est rendu à la Cour d'appel et à la Cour suprême du Canada. Mais avant d'arriver à l'affaire Métis, la raison qu'on est arrivé là, c'est que nous autres, dans le temps, on était tous des Acadiens. Avec les années, on a appris qu'on était des Acadiens Métis, Mi'kmaq. Là, dans les années, début des années 2000, mon père avait été pêché des coques. Puis, ça a fait arrêter, lui et ma mère. Ça fait quand même qu'il a passé en cours, c'était comme dans l'hiver, tard l'hiver. Puis, le juge a été en faveur de mon père, puis il a dit, allez de nouveau, puis pêcher des coques. L'été d'après, mon père, qui avait 69 dans le temps, et ma mère avait 66, 65. Ils ont été pêchés des coques. En pêchant des coques, il y a la police, puis deux gardes de parc, quand il y a eu autres, puis on essaie de les arrêter, puis je suis quand pris. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon père? Ils l'ont battu au coup de bâton, les trois, puis ils ont pepper spray à grandeur, puis il ne voyait plus. Finalement, il y avait la police autour de lui. Puis quand ils ont vu ça, ben là, ils avaient encore battu plus. Finalement, ils ont eu mon père à terre, puis ils ont pu mettre les menottes. Puis ils continuaient à battre mon père au coup de bâton, puis mettre du pepper spray. Puis ma mère a dit, wow, arrêtez, vous l'avez, arrêtez. Ça fait là, il y a un police qui a pogné ma mère. Il l'a mis sur l'eau. Il l'a tenu sur l'eau. Puis quand elle m'a dit, quand il est sorti sur l'eau, elle a juste fait, pour prendre un souffle, il l'a mis de nouveau sur l'eau. Puis après ça, quand ça est revenu à elle, il t'a pas lâché l'équipe pour revenir à elle. Okay? Après que le juge avait donné le droit d'aller là, l'année d'avant, ils ont fait ça. Ma soeur avait su qu'il y avait quelque chose qui avait arrivé de mes parents. Elle a été au poste de police à Chouctou. Le même police qui était là, il était après ça au poste de police. Ma soeur a dit, je vais voir mes parents, il faut voir ma mère.
Puis la police ne voulait pas. Puis il était affronté avec ma soeur. Puis là, la chicane a pris ma soeur puis la police. Ma soeur a fait 100 livres. Il a pogné par les cheveux. Puis tu sais, les cellules Des de barreaux, oui. l'encoffre, le surtout. Il a fait sa tête contre tout ça. Il a ouvert la cellule, il a tiré dedans. Là, alors, elle est revenue à moitié assommée. Puis à sa partie, il y avait quelque chose qui shakeait. À sa virée, puis c'était ma mère qui était invitée, tout tremble, même pas eu de couvert, rien. C'est ces choses-là que le monde ne sait pas quoi ce qu'on a passé. Ça fait La même chose. il y avait de l'abus de la police puis du gouvernement, Ah, là. complètement, complètement. Même dans le temps, là, après qu'on a embarqué ces terres de nouveau, là, ben, moi, j'allais à l'école à Richibouctou, puis mes soeurs à l'école à Pointe-Sapin, mais qui sont plus jeunes, mes soeurs. Ben, quand ils ont embarqué dans l'autobus, ils ne pouvaient même pas s'asseoir, parce que les uns ne voulaient pas qu'ils s'assisaient. C'est à cause qu'ils attendaient des commentaires des parents, parce qu'il y a des membres qui n'étaient pas pour notre cause, puis ça faisait des frictions partout. Jusqu'à temps que mon père dit, garde, je vais amener mes soeurs jour et matin à l'école. Il allait les amener aller chercher ça. Entre-temps, nous autres, on allait à l'école, puis des fois, on voyait une photo à mon père, c'est une photo de téléphone, Ouais, des puis posters, sa là. photo, ouais, un poster, c'était écrit « Wanted dead or alive ». Nous, on est des jeunes, bon, on voit ça, là, c'est comme, tu sais, on ne veut pas, la famille, on a eu de la misère à travers les années, puis on a survécu pareil. Il y a des gens qui se posent la question pourquoi ça n'a jamais arrivé qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer à travers ça. J'ai dit, moi, je ne le sais pas non plus, je ne comprends pas. Parce qu'ils ont arrêté du mauvais monde. Là. Ça fait longtemps qu'il y avait quelqu'un qui avait été tué. Mais ce n'est pas là qu'on voulait. On voulait avoir la justice. On voulait avoir être reconnu nos droits. Revenir-nous à la page de coq. Okay, si je reviens back à la page de coq, parce que là, je saute, c'était là. Parce que l'histoire est longue, puis Oh, it's j'ai correct, pogné tes correct. bouts. Ils ont été en cours. Mon père, il y avait un avocat, puis durant la cour, l'avocat a lâché la cause. Ça fait. Mon père s'est défendu tout seul. Ma mère, ils ont donné 9 jours de prison. Ils l'ont mis à prison pour 9 jours. Mon père, ils l'ont mis à prison pour 6 mois. Puis là, ben, il a fait appel à la cour d'appel. Puis, parce qu'il y avait l'affaire de Métis qui s'avait passé dans la cour, il y avait des questions de l'affaire qu'il y avait des droits de Métis. Puis, quand on était en appel, c'était juste une affaire Métis seulement, ou ses droits de Métis. Et même s'ils ont trouvé qu'il était Métis, lui puis mon frère, ils ont quand même décidé qu'il n'y avait pas de droit parce qu'ils ne pouvaient pas trouver une communauté. Okay. Ça fait depuis ce temps-là, on pousse les affaires en cours. On a un grand chef héréditaire, Stephen Augustine, qui est avec nous autres, 100%. Lui, pour lui, les Acadiens métis, on est comme leurs enfants, les Mi'kmaq. Parce que les Acadiens, les Français puis les Indiens de ce temps-là, si on recule en 1755, il y avait le métissage des deux, qui a eu des enfants, puis c'est là qu'on suit la ligne tout le long. T'sais. Puis aussi, les terres à Kouchouaga n'ont jamais été cédées parce que l'oncle, le grand-grand-oncle à Stephen Augustine, Michael Augustine, c'est lui qui a signé dans les traités, puis que ça n'a jamais été cédé, ces terres-là. Il n'y a même pas eu le droit d'exproprier le monde. Et en plus, les argents qui ont été donnés, c'était à travers le ministère des Affaires indiennes qui a été donné aux expropriés. Pourquoi l'argent des Affaires indiennes? Nous, on ne savait pas dans le temps. Ben, si quand tu cherchais cet argent-là au ministère des Affaires indiennes, il y a quelque chose qui louche en quelque part. Okay? Enfin, C'est pour te demander chez vous, là, il y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. ah, ben, non, quand on a bâti ces terres, on t'a donné les temps. Toute l'été. Mais là, quand c'est arrivé tard l'automne, on s'est construit 4 petites cabanes, 10 par 12, 8 par 6. La famille, on vivait là-dedans. Le matin, il y avait une cabane que ma mère allait. Puis, c'est pour préparer les plus jeunes pour aller à l'école, pour aller mettre une grosse couverte par-dessus les autres, puis les laver, puis les préparer. C'est même qu'on est vit dans ces cabanes-là.
Je me rappelle des soirs, les polices passaient, puis ils mettaient des sirènes, puis les lumières, 2 ou 3 heures du matin, puis ils nous attendaient. We're going by Wartour's Castle. On va par le château à M. Wartour, juste pour essayer de nous provoquer, pour qu'on fasse un geste, puis ils donnaient leur raison de rentrer pour nous sortir. Mais là, chaque jour, vous apportez de l'eau chez vous? On n'amène pas en main. Un pompe à main? Il y avait un puits là-bas. Pas vraiment. Ouais. Ben, et puis, ouais, pas vraiment. Ouais. Ben, il n'y a pas d'électricité, il y avait des toilettes dehors. Là. Il n'y avait pas. C'était bien comme dans le vieux temps. Là. C'est dans le vieux temps, il y a un puits, un pompe à main, il n'y a pas d'électricité. C'est... Ça fait que il y avait un préjugé déjà depuis le premier ministre. Ça a continué d'un autre ministre. Il y avait du préjugé tout le long. Là. Tout le long, tout le long. Si tu regardes, comment est-ce qu'on fait l'éviction le 5 novembre 1976? L'ordre a été fait 2, 3 jours avant. 2 jours avant, excusez, 2 jours avant. Ça fait qu'on n'a pas eu de warning qui venait, on n'a pas su rien. Ils ont fait l'ordre de nous éviter. 2 jours après, ils sont rentrés. La Pignol n'a jamais été expropriée, on a été évité. Le ministre des Ressources naturelles, c'est lui qui était responsable, Roland Boudreau, dans le temps de signer l'éviction. On l'a rencontré, mon père, en 2007, je pense. 2007. On l'a rencontré à Bathurst. Puis lui, il dit qu'il n'aurait jamais fait ça. Lui était sorti de la province. Le premier ministre Hatfield, qui était en pouvoir à ce moment-là, était sorti de la province et son assistant était sorti de la province. Ils sont partis en Japon. Il y a quelqu'un qui a fait l'ordre, puis nous, on sait que c'est le shérif Wolf. C'est lui qui est venu, qui a signé l'ordre de nous sortir. Ça fait que c'était comme mon père a toujours dit, c'était un complot fait comme nous autres. Quand tous les big boys sont sortis de la province, les autres ont rentré, puis ont fait le cochonnerie, puis ils m'ont sorti de force, puis pas de warning, rien, tu sais. Mon père a demandé à la GRC de faire une investigation là-dedans. Ils n'ont jamais fait. Ils ont demandé à la presse de faire une investigation avec Roland Boudreau, puis tu sais, c'est pourquoi tu es là qui a signé ça, tu sais. Puis ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu d'investigation de fait. La raison qu'ils ont fait ça, c'est parce que mon père poussait la cause, puis il y a des grosses chances qu'on allait avoir back les terres à Kouchbouwak. Puis ils ne voulaient pas ça. Puis c'est pour ça qu'on a de la misère dans les. Oui. C'est pour ça qu'on a de la misère dans les cours aujourd'hui. Dans le temps, là, dans les années 84, là, ben, le juge qui était dans ce temps-là, qui a donné des mauvaises décisions qu'on allait en cours, ben, aujourd'hui, sa fille. Et juge. Puis elle est mariée avec Dominique Leblanc, au fédéral. Okay? Puis Dominique est chum avec Trudeau. Puis le père à Dominique, c'est Roméo Leblanc, qui était avec Louis Robichaud quand il a créé le parc. C'est un cercle vicieux là, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est pris. Ouais. Le système judiciaire elle ne fait pas sa job. Quand on était l'année passée devant la cour à Moncton, j'étais assis là, puis j'ai attendu l'avocat de la couronne, ils ont dit au juge Ouellet, même si ces familles-là ont raison, même si ont 100% raison, qu'on ne peut pas aller là, il faut protéger notre cour. You have to protect the court. Ça veut dire quoi, ça? Oui, exactement. Parce qu'il y a eu des injustices, c'est fait. Oui. Je veux parler de ton père. C'est quelle sorte de caractère ton père y avait? C'était quoi? Mon père, c'est un homme bon caractère. C'est un homme qui croyait beaucoup dans la justice. Si il disait quelque chose, il allait se tenir à quoi ce qu'il allait faire. C'était pas un homme méchant. Il n'a jamais attaqué personne, mais ça a toujours fait attaquer. Oui. Comme je dis, il y a des gens qui ne savent pas comment ça fait que mon père n'a pas tué quelqu'un l'an passé. Il n'a jamais pu, mon père, accepter la journée qu'ont mis ses enfants à la porte, les menottes à la prison, puis en cause de la maison, mon père a changé. Il n'a jamais pu accepter qu'on vit
au vu de mon Dieu, que ça se fait ces choses-là. Puis ça, c'est la corruption après, puis tout caché. Il n'a jamais pu, mon père, avoir une cour de loi, puis ça cire avec toutes les évidences, puis après, prendre une décision. Ben non, il bloquait. Ou, tu sais. Ça fait... On prend une petite pause, Edmond, puis on en revient dans 45 secondes.